une coude près du poste. Nous, le sénateur n'a pas encore la tête. Cette institution, il a bien défini. Même les trois NDRO, BRH, le président du conseil, c'est le parlement, la couverture, donc le parlement, c'est vous qui êtes proposé et rassuré. Donc, président, ça me dit, même là, dans une situation politique, où la situation politique, pour contrer le coût de cette problème. En deuxième lieu,
Le texte renforce l'efficacité de la lutte contre le blanchiment, la criminalité organisée et le terrorisme par la mise en place d'un tribunal à l'époque. À cette fin, la définition du blanchiment de la fraude et le financement du terrorisme est envisagée de façon extensive. En ce sens, il est accordé de nous comparer des destinations complémentaires. Donc, honorable parlementaire, nous avons le droit d'amendement au gouvernement. Et nous avons le droit à l'Assemblée de pouvoir voter sur la Chambre des députés de façon à ce que la loi soit adoptée et transmise pour être publiée. Face aux enjeux, nous devons agir pour éviter qu'Haïti soit catégorisé parmi les nations disposant ne disposant pas d'un arsenal juridique légal. Dans cette optique, cette commission recommande à l'Assemblée un vote favorable aux modifications de la loi du 11 novembre sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cela permettra à notre pays de respecter ses engagements internationaux, d'améliorer son image dans le paysage financier international, donc l'attractivité du pays aux investissements étrangers, garantir les flux financiers, donc les transferts d'argent, et de coopérer de manière efficace avec les autres pays pour lutter contre le phénomène du de-risking qui touche également plusieurs pays de la région. Voilà, Monsieur le Président, la demande de la Commission que l'Assemblée puisse adopter le rapport déjà voté à la Chambre des députés et ainsi de modifier la loi. Merci, Président. Merci, Sénateur. C'est une loi à deuxième lecture. On doit voter seulement les modifications. C'est-à-dire, ce sont les modifications, les articles modifiés qu'on doit voter. Les 11 articles modifiés. Je demande au premier secrétaire de bien vouloir procéder à la lecture. Non, les visas et les considérants d'abord. On vote l'ensemble. On abat. C'est-à-dire qu'on doit voter l'ensemble. Ceux qui sont pour ou soit s'il y a des modifications des 11 articles votés à la Chambre des députés, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de discussion. Ceux qui sont pour, si vous avez. C'est-à-dire, c'est une loi en deuxième lecture. Cette loi a été déjà votée déjà à la Chambre des députés et au Sénat de la République en 2013. C'est une loi en deuxième lecture. Ceux qui sont pour, levez les mains, s'il vous plaît. La loi sur le blanchiment. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Et adopté. Avec les modifications que les sénateurs et les sénatus, de même, il va participer dans le débat. Le sénateur Nenel Kassi, de même. Et je demande au premier secrétaire de bien vouloir procéder. Alors, vérifiez le quorum. Il y a 12 sénateurs présents dans la salle, président. 12 sénateurs présents, et le quorum étant infirmé, je lève la séance. Merci.